Déjà, il y a pas de pliena aucune crédibilité. Maintenant, c'est toute la crédibilité de la police qui est remise en question dans l'affaire Subramanian Kisnem. Cette affaire-là bouleverse. Et très inquiétant. Et nous, on doit poser nous la question, quand nous pays pour finir. Alors, si poser la police, vite, vite, tu ne conclure à suicide. Alors, Ken Leko, retrouvé dans son canne, en partie brûlé, sans chaussures, dans une son canne, qui, comme coïncidence, brûlé, brandifé, lui aussi. Et nous ne lire qu'un policier, garde du corps, qui essaye d'influencer Subramanian Kisnem avant qu'il trouve l'amour. Nous poursuivons de près et nous attendons le déroulement de l'enquête judiciaire décidée par le DPP. Mais là aussi, bizarre que le ministre concerné démissionné. On considère ça absolument dégoûtant qu'il conseille des ministres chiesés avec sa ministre-là, avec tout le monde doute qu'il y a, tout le monde cause qu'il y a. La douleur de la veuve et la famille, ni indécent, ni dégoûtant. Il s'aboula chiesé dans le conseil des ministres, vendredi là, hier, comme si, tout normal. Et certainement, ce n'est pas la police. Si à toi, après ce qui est arrivé là-dedans, qui dit une finie conclure au suicide, dans l'évident qu'il n'y a pas de suicide, c'est certainement pas à la police d'enquêter sur la police. Mais à nous attendre l'enquête judiciaire en cours et nous révine l'eau là. Mais en tous les cas, le ministre concerné, Bizin, démissionner sans plus tarder.